Aujourd'hui, c'est la journée nationale des débutants. Nous avons environ 260 équipes de présentes, ce qui représente à peu près entre 1800 et 2000 enfants présents sur le site. L'objectif de la journée, bien évidemment, c'est qu'ils puissent se faire plaisir, jouer, pratiquer. Donc c'est pour ça que la journée est rythmée en différents temps. Je fais du foot, un attaquante, gardien, attaquant, défenseuse, attaquante. Passe devant, Lucas. Allez, on prend joueur chacun, allez. Très bien d'aller à Clairefontaine, rencontrer l'équipe de France avec le président Le Graët, Didier Deschamps et bien sûr l'ensemble des joueurs. Il faut se souvenir que tous les joueurs qui étaient autour de la table ont débuté dans un club amateur. Voir tous ces jeunes aujourd'hui rassemblés à Lyon, c'était une présence obligatoire. Parce que je suis persuadé que parmi les 1200 qui sont là, il y en aura peut-être un jour, dans quelques années, qui sera à Clairefontaine autour de la table. Bien sûr, il faut un peu de compétition, il faut que les jeunes se frottent un petit peu à un match, mais bien sûr, ce qui prime, c'est le fair play, le respect de l'autre, le respect de la règle, les vertus du sport en général et du foot en particulier. Qui c'est les meilleurs ? C'est les meilleurs ! Cinq fois, la Ligue des champions. On a gagné des matchs. Et on a fait un match nul. J'ai marqué un but. J'ai gagné 0 match. Mes pénalties, il y en a que j'ai arrêté, il y en a que j'ai pas arrêté. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est là pour participer, et c'est l'essentiel. Ce sont des tout petits. Donc bien sûr, ils font du football, mais eux aussi, ils font plein d'autres choses autour du football. Nous, le Crédit Agricole, pour soutenir la manifestation, on a créé un stand photo. Les enfants vont pouvoir récupérer leurs photos dès le lendemain, gratuitement, offert par le Crédit Agricole Centre-Est. On cherche une autre équipe pour pouvoir aller manger tranquillement avec nos copains. C'est plusieurs dizaines, j'allais dire même plusieurs centaines de bénévoles qui encadrent tous ces petits gamins. En général, ils repartent avec plein de souvenirs dans les yeux et dans la tête. Et sur ces catégories U6, U7, c'est vraiment le football le plus magnifique.